Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Ragnablock et c'est parti. Alors on remet l'armure parce qu'en UHC faut pas déconner. On va mettre ça là. J'ai 20 minerais de fer. J'ai été en mine tout à l'heure pour récupérer de la toile. J'ai commencé à farmer, comme vous voyez, l'argile. Le bois, je vais le laisser là, celui-là. L'argile pour le bateau, mais on ne fera pas encore le bateau, pas dans cet épisode. Je pense qu'il va me falloir plus d'argile. J'irai en farmer un petit peu plus. Et puis, bah voilà, j'ai pas mon pense-couillon près de moi pour le bateau. On va continuer un petit peu la maison, peut-être les alentours. C'est une maison de pêche, donc on a la chambre à faire. Donc, que va-t-on faire avec cette maison de pêche? Voyons voir. J'ai récupéré aussi un peu de bois. J'ai récupéré donc, comme je vous l'ai dit, des toiles. Et on va faire. Comme ceci. Comme ceci. Il y a les mobs qui grondent en bas. Je pense que c'est du trou. On pourrait le faire tenir comme ça pourrait être planté dans le sol, ça pourrait être pas mal. Pour faire sécher les filets, vous voyez. Regardez. Hop. Hop. Voilà, le filet sèche. Au soleil. Le filet est suspendu et il sèche au soleil. Et de l'autre côté, je pensais. Pareil, faire 3. Sans faire toucher. Faire. Voyons voir, voyons si on a ça dans le coffre. On en a deux. Hop là, parfait. Oh, on en a deux déjà de fait. Ouais, vous m'avez compris. Un portique pour faire sécher les poissons. Les poissons crus. Alors, je vous accorde que ceux-ci ne sont pas comestibles. Attendez, peut-être que si. Enfin, peut-être que si. Non, je sais qu'ils sont pas comestibles. Ouais, je peux pas les foutre dessous. Hein. Non. Oh. Oh, ça peut être joli. Voilà, pour faire sécher les poissons assez haut pour que certains prédateurs ne puissent pas venir les chercher tout simplement. Donc ça, c'est déjà pas mal. Hop.
Nous allons maintenant faire un petit peu de chambre. Pourquoi je me mets là? Je ne sais pas. Tac. Vous le savez, hein, avec ça et ça. Et est-ce que j'ai de la carpette? Hop, donc j'espère que tout va bien pour vous, que votre journée s'est bien passée. Moi, écoutez, ça a relativement été. Ça a relativement été, ouais, moi aujourd'hui, c'était tranquillou. Je voulais faire un meuble, mais je crois que je vais faire un meuble en trois. Et vous allez voir pourquoi. Et il va me falloir encore d'autres. Hop là. Je passe sur notre aquarium. Aquarium MLDEG avec ombriste. Je ne sais pas s'ils l'ont vu. Ils ne m'ont pas dit. Va mettre ça comme ça. Tac. Là, ça nous en fait 4. C'est parfait. On n'a pas besoin d'autant, hein. Je fais le plus parce que. Voilà, parfait. Voilà. Là. Donc je me positionne sur le bloc pour le poser. Et la carpette, je me positionne sur le cadre. Voyez. Et en interagissant avec le cadre, je peux tourner la carpette et j'ai un tiroir. Et là, on va tout simplement mettre. Non, parce que ça ferait le troisième tiroir. Ça serait. Je vais faire une porte. Hop là, voilà. Je peux faire une porte. Voilà. Comme ceci, n'est-ce pas? Hop. Avec une deuxième Donc là, la nuit est tombée, je n'ai pas passé. Je vais avoir des mobs à côté, je pense. Ce qui n'est pas très sympathique. Ah, je sens qu'il y a un. Oh, attendez, on va voir s'il est dehors ou pas. Je cours pour éviter de me faire exploser à la maison, hein. Ouais, il est là-bas. Si jamais il y avait un creeper. Parfait, parfait, parfait. Bon, il n'y avait que ce mob-là qui a pop. C'est pas mal. Hop. Voilà un petit meuble comme ça, bien sympathique. On a quand même une belle petite maison, je trouve. Donc avec un congélo pour les poissons, le frigo ici. La table pour préparer, bah, avec le four pour dévider les poissons. Enfin ouais, là on a quand même une belle petite maison.
Tranquillou, hein. On pourra même mettre. J'entends du squelette, j'espère qu'ils sont en bas. Dans le trou, ils me gênent pas, mais s'ils sont vers nous, ça risque de me gêner, mais je pense pas parce qu'ils auraient cramé. Là, on est dans une zone quand même assez découverte. Il faut au moins, hop. Hop, voilà. Pourquoi pas? Ça peut être assez sympatoche. Donc c'est un petit épisode que je vous fais en sortant du boulot, hein. Comme ça. Tranquillou, je vais poser. Hop. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Ça, c'est parfait. Comme ça, c'est parfait. On ne pose pas sur cela spécifiquement. Je regarde l'heure, hein, excusez-moi. Je veux pas que l'épisode soit trop long. Je vais essayer de faire des épisodes un peu plus courts. Je sais que j'arrive à faire des épisodes de 50 minutes maintenant. Et c'est... Ouais, c'est long. Enfin, j'ai toujours fait des épisodes longs. Je vais essayer de faire un petit peu plus court. Le bateau, on le fera peut-être dans l'eau, peut-être excentré par rapport à ici, dans l'eau, comme si on pêchait. Ça sera le bateau du Corbloc, bien sûr, un bateau que j'aime, mais on le modifiera un petit peu parce qu'on est dans un monde post-apocalyptique et que donc bah, le bateau, il sera un petit peu corsé. Alors, est-ce que je le fais accoster ici, échouer? Je verrai. Je verrai comment je vais faire. C'est pas impossible que je le fasse échouer, que j'adapte un petit peu ici, en fonction de... Parce que j'aime bien dans le post-apocalyptique, j'aime bien les trucs échoués, les machins, voilà. C'est assez sympa, c'est assez sympa. Ici, on va rajouter. Non, j'ai les planches. On va rajouter des détails tout con ici. Vous allez voir. Tac, alors, attendez, si je le mets comme ça, que je sneak, que je le mets. Non. Ah si, regarde, il se fermerait comme ça. Oui, ça peut faire ouvert. Voilà, vous voyez. Ça fait un volet. Okay, oui, mais un volet ouvert, mais. Ouvert du mauvais côté, on va dire. Donc si je fais ça, que je sneak, hop, voilà. Ça fait le volet ouvert. Voilà. Tranquillou. Là, on peut le faire complètement ouvert. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, faut pas les fermer, hein, parce que forcément, fermer, ça fera ça. Ça fera pas tellement. Hop, donc là, volet ouvert. Là, on a le volet complètement ouvert. Là, pareil, on va mettre les volets complètement ouverts. Pose deux volets, tout simplement. Il faut qu'on en refasse. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment je fais les volets. C'est une petite astuce d'Eden Knight. Hop, voilà.
Petite astuce qu'Eden Knight m'avait montrée. Vous posez donc un volet comme ça. Vous sniquez, hop, et vous le posez, donc en sniquant sur la trappe. Si vous sniquez pas, ça va ouvrir la trappe. Elle a refermé et vous ne pourrez pas poser. Quand on sneak, ça pose. Et forcément, ça se referme sur la trappe, comme j'ai posé le volet sur la trappe. Donc là, pareil, je referme. Hop, hop. Et je peux enlever ma trappe et j'ai un volet ouvert, tout simplement. Voilà, une petite astuce d'Eden Knight et je l'en remercie. Là, il y a 4 et là, il y a 4 aussi. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir cela. Donc, tac. Tac. Hop, et que je vais laisser cela comme ça. Voilà. Et donc, ça donne l'impression que si on tire là sur le volet, on va le refermer, pof, sur la vitre, forcément. Et ça, c'est une petite astuce qui est assez superbe et qui peut donner un petit peu de relief à votre maison. Voilà, vous voyez, maison avec le volet à moitié ouvert. Donc, un volet qui bat, hein, vu que c'est une maison qui est censée être abandonnée. Et quand on sera en 1.12, justement. Les lits, je les ferai gris pour que ce soit des lits sales. On est en post-apocalyptique, donc les draps devront être un peu sales, un peu crades, hein, après la guerre, après les horreurs. On aura donc, des lits crades, mais ça, c'est en 1.12, tout simple. Simplement. Voilà, on a un petit peu avancé sur la maison. Prochain épisode, ça sera, je pense, aussi un petit épisode comme ça. Le bateau, je l'attaquerai en revenant de la Japan Expo. Je vous ai dit, je vous ai informé que je serai à la Japan Expo le 6, 7, 8 et 9, les 4 jours. J'y serai très, très, très certainement avec Tigra, Elfina et Clad. Je vous mettrai le lien de leur chaîne là dans la description. Vous appuyez sur le petit plus et vous aurez toute la description. Je vous mettrai le lien de leur chaîne. Allez voir leur chaîne. Clad est spécialisé dans les jeux comme Resident Evil. Et donc, c'est ce qui me plaît, moi. Hein. C'est les jeux un peu horrifiques, un peu à sensation. Et ben Tigra, allez la découvrir, allez sur Dissident World. Certains de vous la connaissent d'ailleurs certainement déjà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quelqu'un à découvrir qui fait des machinimas de Sims, qui fait du Minecraft. Et voilà, allez découvrir sa chaîne. Vous, quand vous êtes sur l'accueil, vous cliquez sur vidéo et en fouillant dans les vidéos, vous aurez très certainement du contenu qui vous plaira, j'en suis persuadé. Voilà. En tout cas, bah, on a avancé la petite. On n'a pas fait grand-chose, je vous le concède. On n'a pas fait grand-chose, je vous le concède. On a fait le petit tenant, je vais me coucher. Hop. C'est qu'il y a un moment spécifique pour se coucher. Je ne sais plus exactement. Hop là, voilà. Il y a un moment spécifique pour se coucher. Je suis seul sur le serveur parce qu'il est 22h45 à l'heure. Enfin, j'ai pris un petit peu plus tôt. J'ai commencé le rec à 30, il me semble. La vidéo ne sera vraiment pas longue. On peut. Ah, ouais, peut-être. J'ai plus de bois. Et tu n'as plus de bois, je n'ai plus de bois. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de mobs en dessous, j'ai l'impression.
Squelette zombie, j'entends. Donc j'ai pas envie d'aller y voir. S'il y avait eu que du zombie, on y aurait peut-être été, mais squelette et zombie. J'ai pas envie de me recevoir une flèche là où ça fait mal. Tac. Ouais, pourquoi pas. Ça, c'est un brumeux de Fallout. Dans le DLC Fallout New Vegas, dans le DLC Sierra Madre. C'est un brumeux de Fallout 4. De Fallout 4. Fallout New Vegas, pardon. Dans DLC Sierra Madre. Voilà. Donc vous savez hein, que je suis Fallout addict. Hein. Ça, c'est pas nouveau. Quand on est à l'intérieur, est-ce que. Non, c'est celui-là. Regardez, quand on est à l'intérieur, on voit le volet qui est presque fermé. Vous voyez, on pourrait ouvrir la vitre et le tirer. En plus, ça fait bien parce qu'il est un petit peu à l'intérieur. Donc, on s'imagine les charnières, vous voyez ici. Et quand on tire le volet, il s'emboîte totalement. Foump. Vous voyez, il se ferme. Foump. Et on peut évidemment fermer le volet avec le petit crochet dans les anciennes maisons. Pour ceux qui connaissent, voilà. C'est parfait. Bah écoutez, nous, je pense qu'on est prêt à se dire au revoir sur un petit épisode. Et ouais. Et ouais, et ouais. Une fois n'est pas coutume. Enfin, une fois. Ça sera, je pense, plusieurs fois. Je vais essayer de faire des petits épisodes. Moins d'épisodes d'une heure, mais des petits épisodes assez sympathiques. Enfin, assez sympathiques, j'espère que c'est assez sympathique et que ça vous divertit. En tout cas, c'est là pour ça. Je suis là pour ça. Enfin, voilà, je regarde MLDEG Ombriste dans la gadoue. Hein, parce qu'il n'y a plus d'eau forcément, donc ça s'est transformé en gadou dans l'aquarium là. Hein. Voilà, c'est petit clin d'œil à mon petit ML et mon petit Ombriste que j'adore et à qui je fais des bisous. Voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec délices, volupté et dissidence avec vous. Vous savez, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, que je réponds toujours à tous les commentaires avec donc délices, volupté et bien sûr ma dissidence caractérisée. Mais pour l'heure, je vais manger mon petit poisson. C'est dommage qu'on ne se voit pas manger quand on est en double 5. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié au gars et à très très bientôt. Bye bye.